Bon bah du coup on va essayer directement dans le port de Béziers. Et oui, il faut savoir qu'il y a un port dans Béziers, au niveau du canal du Midi, bien entendu. Pas de port dans l'Orbe. Donc on va voir ce qu'on peut trouver à mon avis. À mon avis, c'est même sûr à 100% on va dire, mais ça a déjà été fait. Mais comme on a un bist, on ne désespère pas. Ah, s'il y a quelque chose. Ouf, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ok, ok, une tige. Ah, c'est du bon métal. Là, il y a un truc. Là, les gars. Un couteau. Petit couteau. Bien. Allez, voyez. Oh, une pièce. Je sais pas ce que c'est ça. Elisabeth. Ouais. Ah, dans les péniches, il y en a plein. Ouais. Allez, allez, ciao. Cœur. Qu'est-ce que c'est? Oh, oh, wow, intéressant. Pas mal, c'est un peu rouillé mais dans l'ensemble ça doit le faire. Ah, regardez. Oh les, voilà, celle-là elle est vieille hein. Mais je les garde toutes, je les garde toutes pour la collection, personne n'est allé depuis un moment. Ouais. Mais je pense que c'est lié au confinement, ça. Je pense que ouais, quand elle circule les péniches. Ouais, c'est ça. Alors c'est comment déjà notre chaîne là? C'est pêcheur de trésors. Allez, merci, bonne balade. La pêche est bonne chose. Ça va, ouais. Un peu de tout, des outils, des cuillères. Ah, alors. Alors celui-là. Ouais. Ouais, il est étonnant. Oui, il est ouais, je vais garder. Ouais, les leurres de pêche, on en fait pas mal aussi. Bon, ben voilà. Donc, en une heure à peu près, avec le piste sur cette portion, voilà ce qu'on sort. Ciseaux inox, couteau inox, quelques outils, cuillère inox, cuillère pas vraiment inox, je pense que celle-là on va la bazarder. Ouais, vraiment. Ouais, ouais, elle est pourrie. Et voilà. Belle pêche. Petite pêche à l'aimant à Capestan dans le port. On va voir ce qu'on peut trouver de beau.
c'était peut-être juste un jeton ça. Ah ça c'est mort. Même si t'es peut-être sympa à la base. Non, super. Je nettoierai cette clé, je vous montrerai. Ouf. On va le nettoyer un peu. Quoique c'est de la merde. On va tout sortir. Je sais pas ce que c'est ce machin. Je sais pas ce que c'est ce machin, mais c'est lourd. Il y a un défilé ou quoi? Donc on se retrouve avec la clé nettoyée. Donc c'est une très belle pièce de clé en laiton. Alors pour les années, il y a quelque chose qui donne une petite idée, c'est la voiture à l'arrière qui semblerait être une voiture des années 1930, plus ou moins. Donc si vous avez une meilleure idée, je suis preneur. J'ai cherché sur internet et j'ai trouvé aucune équivalence. Donc en laiton comme ça et avec cette forme là au bout, j'ai vraiment rien trouvé qui correspondait. Donc si vous avez des idées ou vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît dans les clés anciennes, je suis preneur et on se retrouve dans une prochaine vidéo.